président Joe Biden ak tout première dame nan akyeyi jodi a nan la Maison Blanche, président Kenya William Ruto ak tout madame ni nan kad yon visite d'état ici aux États-Unis, nan moment Kenya a paré pour prendre tête yon mission multinationale pour appui sécurité nan pays d'Haïti. Toujours dans Washington, comité mobilisation contre dictature dans le pays d'Haïti, Komokoda, qui est basé dans New York, manifesté plusieurs côtés dans Washington parmi eux devant la Maison Blanche pour dénoncer mission multinationale qui pourrait arriver dans le pays d'Haïti. Haïti, gouvernement démissionnaire, a prolongé couvre-feu jusqu'à 28 mai, deux jours après l'y prolonger état d'urgence là sous le département de l'Ouest là. Et puis dans Mexique, yon rafale vent renversé yon installation électorale, bilan 9 moun mouri parmi yon, yon ti moun et gen 63 moun ki blessé. Oui, c'est point ça yo avec l'autre encore nous va développer pour nan yon ti moment, mais actualité a mené nous d'abord nan la Maison Blanche côté que président Joe Biden eh ben lui-même li accueilli jodia nan la Maison Blanche président Kenya William Ruto. Nous gen deux envoyés spéciaux. D'abord nous gen envoyé spécial dans la Maison Blanche en parlant de Jean-Robert Philippe. Jean-Robert Philippe santé ouais. Sont étendés jodia dans la Maison Blanche avec rencontre ça dans cadre d'une visite d'état président Kenya William Ruto. Kenya ensemble avec madame ni et William Ruto qui vini dans la maison dans cadre d'une visite d'état et nous ka wè des matin gon choral k'ap chanter là dedans non et là nous ka la boue foule moun yo là c'est tout monde qui fait débassement et yo plusieurs centaines si pas même des milliers même qui déjà là et gon la pluie k'ap tomber mais ça pas empêcher que moun yo rete là quand même pour assister à ça qui a passé. Je rappelle que le président kenyan William Ruto, eh bien, c'est une visite d'État qu'il a fait dans Washington et li, c'est le coup présidentiel américain même pour un dame. Et Jill Biden avec le président Biden qui a accueilli lui et c'est toute une cérémonie qu'il a fait. Alors, dans le calendrier qui vient pour journée aujourd'hui, on rencontre tête à tête entre le président kenyan William Ruto avec le président Biden. Il y a plus de sujets qu'on peut discuter dans le contexte, comme l'accord bilatéral, les relations entre deux pays, les questions commerciales, par exemple, et l'autre question technologique que l'administration fait connaître, que la chercher joint nos vicins avec le président kenyan. Et tout, il y a un problème tout, et dette kenyan, tout qui va dans le centre de pays. Un point qui est aussi important pour nous-mêmes, c'est justement question et déploiement force kenyan dans le pays d'Haïti. Et nous rappelons que les Kenyans ont accepté pour prendre tête une mission et la paix ou une mission sécurité en Haïti. Et bien, l'administration américaine a battu bravo pour la décision ça. Et que c'est lui que l'administration a supporté. Donc, très certainement, dans le centre. Et quand on dit discussion, quand on dit tête à tête avec le président kenyan, et bien très certainement question Haïti à l'ensemble de là, et c'est qui façon que Haïti lui-même, voulait, ou bien les États-Unis, voulait aider Kenya, sortir et réussir dans la mission. Qui est capable de mission difficile, mais qui n'est pas difficile, tout dépend de qui genre acteurs concernés, ils prennent ça. Actuellement, on a la pluie qui a tombé là, mais la marguerite, on farine la pluie qui est là. Mais mon yo va bouger non mon yo tout monde est campé là quand même il y a monde qui était connait bien la pluie qui sorti avec parapluie dans main donc yo campé là il y a absolu toute bagaille donc il y en a pas tant donc c'est comme ça c'est commencement cérémonie depuis et Saflon la Maison Blanche moi c'est Jean-Robert Philippe VOA Creole. Donc nous voyons Jean-Robert Philippe braver danger dans la pluie pour être capable de faire téléspectateurs nous et ben vive moment ça un moment qui est très spécial parce que c'est ça rare que et ben la Maison Blanche mettait tout le paquet pour l'accueillir un leader et africain et ça fait 16 ans depuis on bail comme ça pas fait. Nous parlons jeune Jean-Robert Philippe lui-même qui était là encore dans moment que deux présidents yo deux homologues de Tokayo et ben t'es rencontré avec la presse. Jean-Robert, dis-nous plus dans tout ça ouais et dans rencontre ça qui était gagné entre deux chefs d'État. T'es fond dit tout pendant ce temps gagné il y a comité mobilisation contre dictature dans le pays d'Haïti, Komokoda. C'est un groupe qui est basé dans New York. Et eux-mêmes, ils ont fait manifestation plusieurs côtés dans l'occasion. Visite d'État, monsieur président William Ruto. Ils étaient devant la Maison Blanche, ils étaient devant l'ambassade Kenya dans Washington, ils étaient devant l'ambassade pays d'Haïti tout dans Washington. Et nous avons un envoyé spécial, nous, et gentil Augustin Junior, qui a dit nous plus sur ça. Merci Jacqueline, je nous te dis là, nous avons un troisième stop. Komokoda t'a fait dans journée 23 ça côté que
yo t'a pral parler avec président Ruto qui dans une visite d'état aux États-Unis. Premier stop yo c'était devant la Maison Blanche matin côté président Ruto t'a parlé ensemble avec le président Joe Biden sous différents sujets. Parmi yo nous capable dit yo t'a sujet diplomatie yo t'a parlé parce que ça fait 16 ans côté que un président africain pas jamais venu comme dans visite d'état aux États-Unis. Deuxième bagaille m'était tendu moi-même pendant m'tap suivre discours président Ruto matin, il était parlé des affaires commerce, il t'a remis que commerce entre Kenya avec États-Unis ouvert côté que il va créer plus job là Kaili parce que il va capable échanger avec États-Unis. Et troisième stop Komokoda, deuxième stop Komokoda pour bien dire, c'est devant ambassade Kenya dans Washington qui a un bloc de côté campé là, côté que il t'a parlé avec frère africain yo, Jean Odile là, côté que Kenya pas supposé accepter une mission comme ça parce que c'est travail impérialiste la libre à le faire. Et kounya là, j'aime tout là, nous dans troisième stop là, côté que moun Komokoda yo derrière dom nan là, il a chanté, il a voyé slogan sous gouvernement haïtien parce que ambassade haïtien c'est là yo dit qui représente gouvernement haïtien diplomatiquement. Donc yo m'te parlé avec un responsable yo, nous pral tande ça te dit nous dans intervention là. Nous faisons trois étapes parce que le projet Kenya, nous voulons tout le monde connaît, que nous comprenons que c'est un projet américain. Il n'y a pas aucun rapport avec aider Haïtiens, il n'y a pas aucun rapport avec soulager la souffrance peuple haïtien. So, nous voulons comprendre que là, William Ruto a pris pause son projet panafricain qu'il a fait, son menti qu'il y a. Et en effet, chaque jour, peuple haïtien comprend ça plus bien. Et le Joe Biden invité William Ruto dans la Maison Blanche, c'est pour nous comprendre son récompense. C'est pour le faire tout le monde comprendre que États-Unis campaient avec Kenya. Non seulement que yo ba yo yon contrat de défense 5 ans pour dire yo, yo remercier yo pour ça qu'a fait en Haïti, hein? Mais nous tendez $600 million, nous ouais avion qu'a monté descendre rentrer en Haïti, voyez porter toute qualité agribay. Qui donc nous voulait et faut que moi dire peuple Kenya lui-même lui comprendre. Même j'ai avec peuple haïtien que ça n'est pas un bagage pour Haïti qui a réglé là. Abattre haïtien, pouvoir populaire. Abattre haïtien, pouvoir populaire. Abattre haïtien, pouvoir populaire. Merci en plus Jacqueline, c'est un plaisir pour nous t'avoir. C'est gentil Junior Augustin depuis Washington pour VOA Creole. Oui, donc Komokoda fait trois stops et trois arrêts. Il te fait un devant la Maison Blanche, un devant ambassade pays Kenya dans Washington et puis devant ambassade pays d'Haïti toujours dans Washington. Et visite d'État président William Ruto a conduit nous tout droit dans cause et forme. Côté, on parti dans planification et visite ça, tenant même mesdames dans la Maison Blanche et cause et forme aujourd'hui a une présentation Sandra Lemaire. Première dame Jill Biden, ba journaliste yo ou aperçu de sa la Maison Blanche paré pour dîner officiel yo organisé jeudi soir pour président kenyan William Ruto ak madame ni Rachel. So tomorrow night we mark the 60th anniversary of the United States partnership with Kenya. Ni di jeudi soir n'ap marqué 60e anniversaire partenariat entre États-Unis et Kenya avec un dîner élégant en base étoile yo dans un pavillon qui fait presque entièrement ak vide. N'ap admiré un seul ciel pendant ce temps dehors a fait nuit. Donc n'ap mette bougie pour illuminer tabio pour inviter yo dans un espace qui saturé avec couleur rose. Et puis rouge. Madame Biden expliquait tout thème les choisis pour dîner. As guests leave, their path illuminated by our one moon. Pendant invité, ils apprennent chemin pour aller dans l'espace là en bas lumière lune. M'a espéré, ils ont ressenti même sentiment chaleureux. Moi-même, moi t'ai ressenti. Première fois, moi t'ai visité Kenya. Sentiment amitié qui pourrait durer longtemps et puis aider créer un avenir chargé à prospérité.
Ruto s'est invité d'honneur dans le premier dîner d'État États-Unis organisé pour un pays africain depuis 2008. Président Ruto prend mettre accent sur relations serrées à Washington et puis partager un mouli pour deux styles musique américains particuliers, gospel avec country. Biden invité 500 moun dans la Maison Blanche jeudi soir, ça qui fait dîner à une pigo dîner administration lien jambes patronnées. Biden pas très respecté pour mes cités faites pour visiter Afrique l'année passée, mais il suggérait mercredi qu'il ait intention de voyager sous continent dans le mois de février 2025 après les réélu. Ça qui pral dépend, bien entendu, de résultats élections présidentielles mois de novembre. Non. Dîner d'État yo représente un outil clé diplomatie américaine que yo kon réservé pour plus gros alliés États-Unis. Yo. Carlos Elizondo, c'est secrétaire social la Maison Blanche. So tomorrow night we've created an experience that will feature the beautiful scenes. Dit pour jeudi soir nous créons une expérience qui mettait accent sur belle panorama la Maison Blanche et puis monument Washington non que puis fort monde pas jamais gain chance jouer. Dîner ça tombé dans une époque délicate par rapport à la relation entre Washington et l'Afrique après un coup d'État dans Niger côté gouvernement militaire t'est passé l'ordre by troupes américaines pour y partir quitter pays à. Mais tout ça la Chine et la Russie a fait effort pour élargir influence sur politique et économie Afrique là. Color runs through each table. Roses and orchids. Tabio a très coloré. N'a bien rose à orchidée, ça qui représente États-Unis à Kenya, et puis fleur pivoine à renoncule, qui c'est fleur préférée première dame là. Tapia a couleur fuchsia, ça qui bat espace là aux chaleur invitant et puis aux belles couleurs. Président Ruto a passé trois jours aux États-Unis, dans un moment côté pays Afrique de l'Est là apparaît pour le déployer force en Haïti, dans cadre mission sécurité que l'ONU a appuyé pour rétablir sécurité en Haïti. Pendant dîner, vedette country Brad Paisley pour le performer et puis tout cœur gospel université Howard là. Qui sac sous menu à? Susie and I are so excited for this state dinner. Chef exécutif Chris Comerford dit Susie avec nous content à mort pour nous préparer dîner d'état ça parce que li marqué commencement saison été a premier bagage n'a servi c'est une soupe tomate glacée nous préparer la tomate verte et puis ajouter des oignons que nous mariner et puis gagner cocombe et puis vinaigre ça rappelait nous qui genre saison été a doué a gagner dessert tout bien entendu. Sandra Lemaire, VOA Creole, Washington. Donc en gros nous gagnons idée de voyage visite d'état ça qui gagne plusieurs étapes là-dedans et non seulement d'abord tu gagnes président Ruto avec toute madame qui débarqué à Atlanta après ça yo rentré Washington DC côté que Takou Jean-Robert et Fexo Dino là un ben et li rencontre il fait visite d'état et puis Asroya a gagne gros et dîner d'État. Donc, c'est tout ça qui marquait visite d'État avec 60e anniversaire relation de pays ou sous VOA Creole. Donc, c'est pratiquement une visite historique qui réunit tous les deux partis. Nous, les représentants parti républicain avec représentants parti démocrate là, dans gros et visite d'État ça. N'après, t'es toujours dans l'actualité concernant les États-Unis. Côté nous, n'a pas les élections, n'a pas les justice côté ancien président Donald Trump qui a fait face à un pile et difficultés avec la justice et pendant que li se candidat pour élection qui gagne pour dérouler et 5 novembre cap vini là nous connaît que et semaine qui s'est passé là ou bien semaine qui s'est passé là yo et ben ancien président Donald Trump te gagne pour te faire face en pile avec la justice il gagne paquet démêlé avec la justice nous gagne Valérie Saint-Louis depuis New York. Cas criminel et historique contre ancien président Donald Trump là, qu'a tombé dans jou k'ap vin la yo. Et quel que soit résultat verdict là, li ka affecté élection présidentielle 2024 là. Mais qui j'en li ka affecté li selon certains observateurs. Donald Trump t'est déjà plaidé non coupable pour 34 accusations pour faux dossier business li yo, pour casser fait couvrir yon paiement l'argent pour acheter silence vedette film porno Stormy Daniels. Jugement New York ça, c'est premier jugement criminel contre un ancien président américain. Moi t'ai dû retourner à faire campagne dans moment, moi pas supposé ici là.
Et il très possible tout que c'est seul jugement que Donald Trump a gagné pour faire face avant l'élection 5 novembre dans Kavin là contre président démocrate Joe Biden. Si on t'a joué Donald Trump coupable, selon un sondage Reuters Ipso réalisé sous potentiel électeur qui déjà enregistré pour voter dans mois avril là, résultat sondage là t'a suggéré que yon sous 4 électeurs républicains pas voter pour Donald Trump si on joué li coupable dans un jugement criminel. Dans une course électorale serré qui t'a qu'à décider dans parmi sa yore les Battleground State yo, qui c'est état ici aux États-Unis yo, qui considéré qu'ouè champ de bataille électorale. Même yon ti quantité électeurs républicains avec quelques électeurs indépendants qui t'a déçu par yon verdict côté la justice t'a joué Donald Trump t'a coupable, t'a qu'à aider Joe Biden gagner élection yo d'après yon sondage que républicains yo fait. Mais comme ça tout, yon l'autre bord Trump a kalié li yo t'a qu'à servi avec verdict coupable ça comme yon complotaille, yon persécution politique. Et si yon t'a joué Donald Trump non coupable, verdict non coupable la t'a doué yon gros victoire pour Donald Trump d'après expert yo k'ap fait analyse à travers chiquet politique là. Pendant campagne liant, Trump a capable réclamer et fait valoir que l'autre accusation gen contre li yo pa gen aucune valeur légale. Yo accusé le comme quoi il était essayé renverser résultat élection 2020 yo dans Washington ak état Georgia. Et puis li a fait face à accusation dans état Floride là pour document classifié que le té serré la caille li. Et li té plaidé non coupable tout pour cas ça yo. Ça pral fait que si poté li yo ak bazi yo t'a senti yo validé et que yo t'a joine revanche yo. Et si 12 membres jury yo pa ka d'accord sou yon verdict unanime, résultat pral comme yon victoire pour Donald Trump. Expert légal yo di à ce moment-là, juge la ta doué déclarer annulation pour CA. Et d'après yo, Donald Trump a gen en pile chance servi ak sa comme yon victoire. Pourtant, si yo ta annulé jugement, ça pral quand même vle di que électeur yo kwe que au moins gen kek nan membres jury yo ki yo même kwe que Donald Trump te coupable. Mais tout ça c'est analyse. Et pendant ce temps, ancien candidat républicain Nikki Haley fait déclaration hier mercredi 22 mai pour dire que li pral voter pour ancien président Donald Trump dans l'élection présidentielle novembre. I will be voting for Trump. Moi pral voter pour Donald Trump. Nikki Haley te dit que Trump comparé favorablement à président Joe Biden que lui-même li rele une catastrophe. C'est comme ça que Nikki Haley te parlé devant une audience conservative dans Hudson Institute en Washington. Mais elle était dit tout que Donald Trump doit continuer contacter électeurs qui supportent lui dans cousla. Et puis il n'est pas supposé penser qu'il pral automatiquement voter pour lui. Faut que Donald Trump mette pied la terre et puis continue à faire campagne. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio Saint-Louis. Quelques points dans l'actualité internationale. Là, d'abord en Amérique latine, gain en Mexique, yon rafale vent renversé yon installation électorale. Bilan gain 9 moun qui mouri, parmi yon yon timoun, et gain 63 lot qui blessé. En Iran même, c'est clôture 5 jours d'œil qui bouclé dernier et hommage que yon prend président Ibrahim Raisi qui mouri dimanche qui saute passé là. Nan yon accident hélicoptère, te gen avèl tout ministre affaires étrangères avec 6 lot moun ki te nan appareil la. Yo enterré président Raisi nan ville Natali en parlant de Machad ki nan nord-ouest pays a côté te gen yon des centaines de milliers moun ki te rendi yon hommage et gen plusieurs moun ki fait déplacement gen plusieurs pays tout ki voye moun mais pas nan niveau chef d'état. Ou souve ou akreol, ou ap suivi yon programme nan langue créole haïtien, actualité a nan pays d'Haïti nan un petit moment. Ou toujours souve ou akreol, na pe mettre depuis Washington DC, conseil présidentiel transition organisé yon séance travail hier mercredi a nan intention pour mettre campé yon conseil national sécurité conformément à accord 3 avril la. Nou gen détail avec Renan Toussaint depuis Port-au-Prince. Rencontre ça te réuni expert national professionnel nan diaspora ak lot personnalité importante ki gen rapport ak article 25, 26 ak 27 accord 3 avril 2024 lan. Cependant, aucun nom expert ak participant pa révélé. Objectif lan, selon conseil présidentiel transition, c'est utiliser yon meilleure formule ka permet force l'audio bay yon réponse efficace par rapport à crise sécurité ya conformément à résolution 2699 Conseil sécurité Nations Unies. Gagnant violence désastreuse que bonne armée provoqué dans le pays d'Haïti, dernier temps ça yo, c'est commissariat ak sous-commissariat police que bonne armée continue à détruire. Selon thème référence à accord 3 avril 2024 là, Conseil national sécurité a gagné mission pour superviser assistance internationale dans le domaine sécuritaire en collaboration
avec acteurs national et international. Selon thème référence à accord 3 avril 2024 l'an, Conseil national sécurité a bien mission pour superviser assistance internationale dans le domaine sécurité en collaboration avec acteurs national et international. Selon une note qui portait signature coordonnateur général Conseil présidentiel transition Edgar Leblanc-Fils, CPTA renouvelé engagement pour collaborer avec tout partenaire pour capable garantir sécurité et stabilité en Haïti. Renan Toussaint pour VOA Creole Port-au-Prince. Et bien toujours dans le pays d'Haïti, le gouvernement démissionnaire a lui-même les prolongés couvre-feu jusqu'à 28 mai, deux jours après les prolongés état d'urgence là sous département l'Ouest. Nous gagnons sous place dans Port-au-Prince Yves Manuel. Gouvernement haïtien décidé prolonger couvre-feu dans le département l'Ouest, côté capitale située et côté état d'urgence là en vigueur pour tenter freiner les actes violents. Premier ministre pour un petit bout de temps, Michel Patrick Boisvert, annoncé dans un communiqué couvre-feu à Kembe, sorti mercredi 22 mai pour arriver mardi 28 cap vini là de 10h dans soir pour arriver 5h dans matin. Communiqué a précisé mais ça pas concerné force l'audio, pompiers, ambulanciers, personnel médical et journalistes qui correctement identifié. Décision ça qui pas nouveau apprend depuis près de 3 mois mais au pas grand qu'un effet significatif sur situation sécuritaire. Haïti a confronté à une escalade violence avec massacre, attaque, viol et enlèvement bandi améo pas suspend fait. Mardi 21 mai, bandi yo yon l'autre fois encore prend possible espace sous commissariat police là dans Matissan entre sud capitale là. Vidéo qui a circulé sur réseaux sociaux montre gros dommage sous commissariat ça qui sous contrôle gang améo depuis juin 2021 subi. Dans la nuit de vendredi 17 pour arriver samedi 18 mai 2024 là, gang 400 Marozo utilisait une pelle excavatrice pour détruire commissariat prison civile Croix des Bouquets dans Nord Port-au-Prince, alors que prison pour femmes dans Titanien qui trouvait à plus passer 30 km dans Nord Port-au-Prince abandonné depuis plusieurs mois, les mêmes tours bandits ont détruit. Malfrayo passé en bas flamme dit fait tout sous commissariat police Cécile-Lesland dans l'île à voir bon repos. Mardi 21 mai 2024 là, attaque sa yo contre commissariat ak sous-commissariat police vini nan un moment processus déploiement mission multinationale appui ak sécurité nan pays d'Haïti a accéléré même lorsque gen information qui fait croire capable gon tirota nan déploiement ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Ta kono sot nan denan reportaj yo, ebe gangame yo, yo même yo utilise engin lou pour craser infrastructure police la ki, surtout ki nan zone non doua yo. Masado Vilme ap di nou plus. Bajé autorité policier yo. Bandi viv ansam yo, tanmen yon opération craser commissariat ak sou commissariat police ki nan région métropolitaine nan. Nan Croix des Bouquets, c'est plus passé 5 postes police. Gang yo commence craser depuis avant célébration fête drapeau haïtien. Dans notre site capital la tout, bandi qui a évolué dans la troisième circonscription commencé avec même démarche si là. Dans Matissan 1, assaillant au mettait dit fait et puis crasé avec pelle excavatrice sous commissariat qui dans zone si là. Yo mettait dit fait tout dans sous commissariat habitation l'éclair qui les même dans Matissan 23. Nouvelle le fait connait, bandi ont déjà commencé craser sous commissariat qui dans grand ravine. Cependant, information yo fait connait action sa yo visé dans l'idée pour empêcher soldats force multinationale yo joindre espace pour tabli base yo. En termes de réaction, yon responsable Douazimen Pierre Espérance qualifié action gang yo comme yon zak terroriste. Bandi yo, gang yo, et qui a ça fait dans pays a c'est un acte terroriste qui a fait avec complicité et autorité. Il n'y a aucune possibilité pour gagner aussi puissant que ça dans le pays sans y avoir une connivence avec l'autorité dans le plus haut niveau, dans l'État, particulièrement hiérarchie, la police. Et qui donc, c'est complicité directeur général de la police qui fait que gagne puissant comme ça, qui fait qu'il y a attaqué les ouvriers, fait ça ouvrier, côté ouvrier, et sans pas gagner fait. Et ça vient faire que les policiers qui veulent travailler, qui veulent combattre les bandits, la vie vient exposer par rapport à la complicité en directeur général avec les bandits. Selon responsable Douamouna, démarche qu'a faite pour déploiement de force multinationale a déjà créé panique dans les bandits. Pierre Espérance souligne qu'il faut que tu aies passé, mais qui fait tout
dans la tête de police là. Qui commence à garder chez eux, qui commence à courir, capcher tout, ils ont commencé à paniquer par rapport à la quantité de matériel et équipement qui ont fait là. Qui a commencé. Cependant, moi je pense que si vous avez un nouveau leadership dans la tête de police, sous le gouvernement qui est responsable, et si acteur la chaîne pénale a fait un travail, et par rapport à l'équipement qui est mon cabinet, moi pense, j'en dis là, il y a deux départements qui ont plus de problèmes, c'est l'Ouest là, avec la Tibonie, et je capable de résultat parce que les bandits ont commencé à paniquer. Nous devons dire, coup de balle passe pour enchanter dans le périmètre palais national là. Depuis Port-au-Prince, moi c'est Massiado Vilme pour VOA Créole. Donc c'était actualité à nan pays d'Haïti et go nouvelle là ici Washington et qui gagne rapport tout avec Haïti, c'est visite d'état ça que président Kenya qui gagne avec madame et tout Rachel Ruto qui trouvé au nan Washington d'ici jodia et yo même yo rencontré jodia avec et président Joe Biden, président Joe Biden qui exprimait en pile et attention pour leadership que monsieur Ruto, président Ruto a établi dans ce continent africain pour travail que l'a fait pour travail il fait déjà et il mettait en pile accent tout sous coopération sous relation entre deux pays côté a fêté au pral et célébrer là à Square dans gros et dîner d'état ça et ben qui gens que on va célébrer 60e anniversaire relation que on gagne et première dame n'a expliqué dans qui condition que ça pral fait et qui belle bagaille qui pral gagne qui belle manger Sandra Le Maire t'es parlé de ça et monsieur Ruto tout président Ruto tout est prêt la parole et tout ça dans la Maison Blanche jodi à côté que on te gagne Jean-Robert Philippe lui-même qui t'est couvri la Maison Blanche pour nous et t'es gonti la pluie dans matin mais ça pas empêché que grand pile monde qui t'est fait déplacement pour une raison pour une autre et puis t'es gagne Komokoda tout lui-même qui basé dans New York lui-même qui t'a fait trois stops il t'a fait un devant la Maison Blanche yon devant ambassade pays Kenya dans Washington et puis l'autre là devant ambassade pays d'Haïti dans Washington et puis son façon yo dit pour être capable dénoncer Misosa qui a bien pour débarquer dans pays d'Haïti nous pratiquement arrivé dans fin programme nan. Nous remercier Jean-Marc Hervé Abela qui était chef pupitre là sans oublier deux envois spéciaux nous gentil Augustin Junior avec Jean-Robert Philippe qui était yon dans la Maison Blanche et puis yon dans les rues de Washington. Moi, c'est Jacques Lemelizer. Yon plaisir, l'autre fois, pour nous te servir. À demain. Moi, je vous remercie parce qu'on t'a suivi avec attention. Merci pour fidélité ou avec patience. Ou. Moi, je vais quitter vous dans le bras, papa Bodje, parce que c'est lui-même celle qui est capable de protéger la vie avec la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non, pas M. Foucault. Rendez-vous cassé demain matin. Bisous, bisous. One love.